OK, parce que ta crunchy, c'est ton déjeuner, toi, là. Oui. OK, ben, good morning! Aujourd'hui, je vous amène Drift Shop avec moi. Drift Shop. Drift Shop. Drift Shop? C'est Drift. Aujourd'hui, je vous amène Drift Shop. Quoi? C'est quoi? Aujourd'hui, je vous amène Drift Shop. Pourquoi tu dis juste pas je vous amène magasiner les frites? Aujourd'hui, on va magasiner, Chris. C'est pas compliqué, tabarnak. OK, now it's time for the vlog in English because I'm bilingual. Today we going at the friperie. No. The specialty of this thrift shop is you can just bring your clothes. Just bring your clothes. Yeah, bring your clothes and you can switch your clothes with other clothes. Rock on! C'est bon, hein? Ma tabarnak, tu m'as crevé un œil, c'était mon œil préf. Si j'ai écrit à la fille parce que la friperie est ouverte juste le soir, mais moi je voulais avoir une belle lumière, tu sais. Fait que j'ai écrit, je suis comme girl, est-ce que tu pourrais nous ouvrir la friperie exceptionnellement? Is it possible to have some good light to just film a drift shop? Exactly. Et elle a dit oui parce qu'elle est bien smart, fait qu'elle nous a ouvert la friperie, puis on s'en va là, puis on a l'exclusivité, il y aura personne, il y aura pas un Christy de chat qui va être dans nos pattes. Il y a tout quoi de plus fâchant quand tu filmes une vidéo dans une friperie puis il y a du monde partout. Là t'es comme excusez-moi, excusez-moi. Fait qu'on vient tout juste d'arriver. Oh! Shop là! Wouh! Puis là, on a une bouteille de vin. Santé! Ok, fait que là, par rétritif, que ma description de la friperie n'était pas claire. Alors, on a une pro avec nous ce soir, bonsoir! Bonsoir, bonsoir! On est jour, mais ça, ça regarde personne! Fait que, vous savez comment on est, qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc ici, on est au Shop Club. Okay. Le Shop Club, c'est un magasin d'échange de linge. Donc, c'est super simple, tu rentres avec tes sacs de linge, de souliers, de manteaux, de foulards, de sucre, tout ce que tu veux. Puis, en fait, c'est du un pour un. Donc, il y a des gens à l'arrière qui trient le linge, ils gardent seulement ce qui est en bon état, ce qui est encore à la mode. Mais si, j'ai bien compris. C'est 0$, c'est gratuit, genre? En fait, c'est pas What? Gratuit. Donc, à chaque entrée, ça coûte 12$ plus taxes. Okay. Devenir membre, paye 85$ plus taxes. Que moi, là, j'arrive avec mes vieux vêtements que j'aime plus, que je suis tannée des mettre, puis j'ai des nouveaux vêtements pour 12$. What the fuck? Exactement. C'est incroyable! Ben nice, êtes-vous prêts? Wouhou, moi je suis prête! Je tourne en rond pendant 4 ans. Fait que ça, c'est tous les vêtements qu'on lui a donnés, dans le fond, elle va juger. Exactement. Fait que dans le fond, on regarde ça avec le beau néon, savoir s'il y a des trous, s'il y a des taches. Et ça m'a l'air beau. Et ça ici, par contre, c'est vraiment dégueulasse. Let à chier. Now it's time to magazine! On a trouvé mon nouveau chapeau. Sur 10, mettons. 44, peut-être. Waouh! Mais ça, c'est de la belle botte. Oh, avec ça, tu vas pêcher, là. Je sais pas pour toi, mais nous, on magasine en buvant de l'alcool. Genre, dream come true. Dream come true. C'est des pantalons, je voulais vous le dire, dans le cas que vous n'aviez pas remarqué. Fait que voici nos trouvailles de la journée. Est-ce encore là? Est-ce que vous encore là? Another one? La jupe que j'ai trouvée, on dirait même pas une jupe, on dirait une ceinture. On dirait vraiment une ceinture. À combien je suis game de l'essayer? Sur 5. Ok, 2, 1, 2. Ah! J'y vais alors. Excuse-moi. Oh my gosh. Genre, je veux bien, je sais que j'ai pas de cul, mais là, tabouère.
On est sur le bord de pouvoir lire sur mes lèvres. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est si dégueu. C'est dégueulasse. Regardez, j'ai trouvé une paire de bottes. Elles sont belles, hein? Bon, ben on dira bien ce qu'on veut. J'ai quand même bien trouvé tout ça. Youpi-doupi-dou. Bon, fait que là, on est rendu dans la voiture. Ça, c'est deux femmes vraiment contentes d'être dans une voiture. Fait que c'est ça, fait qu'on voulait vous montrer nos trouvailles officielles, puis on en a en tabac. Ma première des choses, Caro a acheté des bottes de salope, des bottes de petite cochonne. Est-ce que c'est des bottes de salope? Oui! Non. Es-tu une salope? Non. Mais maintenant que t'as des bottes de salope, es-tu une salope? Non. Écrivez dans les commentaires, est-ce que Caro a rendu une salope parce qu'elle a des bottes de salope? Ah si, mais prends. Ok, prochain truc, Non. Oui, j'ai acheté une brassière parce que oui, ça me dérange pas de mettre mes boules dans une affaire que quelqu'un a déjà mis ses boules. M'en calisse! Next! Fait que voici mon autre truc. C'est une robe qui a l'air très plate, mais qui n'est pas plate. C'est la robe pas plate qui a l'air plate. Ah oui, j'ai acheté ces bottes-là. Je vous les avais montrées, vous vous en rappelez, hein? Je les avais très bien montrées d'ailleurs. J'ai acheté aussi. Ben, j'ai acheté. À savoir que tout a coûté fuck all. 0$. 0$. J'ai pris ce manteau-là, vous vous rappelez, le manteau poêle? Oui, je l'ai pris. Ensuite, nous avons la petite veste mille figure que j'aimais très beaucoup. Franchement, très très beaucoup. Nous avons une Caroline ici présente qui est un peu jalouse. Qu'elle mange la merde! C'est pas de ma faute, elle est pas capable de trouver des affaires avant moi. Ça, c'est nice. Comme ça, on pourrait voir mon poussi. Alors, nous avons la jupe jaune ici présente qui est définitivement mon coup de cœur de mes trouvailles de la journée. Fait que... Ah! On a cette belle sacoche. Lol. Caro voulait l'offrir en cadeau à sa cousine. Non, attends. Sa cousine n'a pas de goût. C'est parce que... Oh, franchement, elle est pas laide. C'est juste que... Elle est vraiment pas laide. Elle est neuf, elle a encore l'étiquette. C'est juste que c'est pas mon style, mais... C'est la personne sauf sa cousine. D'ailleurs, il me restait un morceau à choisir. Puis j'ai fait le tour 4 fois, puis ouais. Je trouvais pas. Fait que j'ai dit, bon, ben regarde... acheté une guenille à ma cousine. Je sais pas si vous savez, mais le fluo va être en bas. Puis moi, je me suis trouvé ma première... Gunné fluo! C'est un petit genre de cardigan, là, I guess, que t'attaches ça et des petits boutons en avant. Simple de même. J'ai définitivement pris cette belle chose, car je trouve que c'est un beau passe-partout. Genre, tu sais, quand t'as un événement chic, mais genre, t'as fucking pas envie de t'habiller chic, tu mets ça avec un beau gilet, datitata. Easy life. J'ai pris. C'est pas tant mon style. Non, vraiment pas. Ça m'a vraiment étonnée. Oui. Je le sais pas. Je la trouvais cute. J'ai vraiment pas beaucoup d'affaires comme girly, chic, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal à personne à girly, I guess. Petite robe de princesse. Je sais que ben ça, je la mettrai jamais. Puis, hey, mais mon chum, il va peut-être me trouver belle vu que c'est une robe de princesse. C'est la seule fois qu'il va trouver belle. Je l'ai faite pour mon chum. Il est même pas là pour voir ta robe. Colisse, il va falloir que j'aille en Thaïlande lui montrer ma robe de princesse. J'ai pris également ce petit col roulé rose qui a l'air vraiment plate de même, mais il était vraiment beau. Puis je trouvais qu'il fitait avec mon teint de petite bitch pas bronzée, mettons. À vous. Ça faisait ressortir mon teint de morte. Mm-hmm. J'aimais quand ça. Quand tu le mets, on ne voit juste plus. Disappear. C'est comme la cape de Harry Potter. Exact. Mais dans le fond, j'ai quand même choisi des petites affaires girly. Check ça. Puis le tout pour 0$. Ça nous a coûté un gros roulement de tambour. Aide-moi, Chris. 0$! Ça nous a coûté 0$, fait que bravo. C'était une très belle journée. Si vous avez aimé vivre cette journée avec nous, écrivez dans les commentaires, les filles. J'ai vraiment aimé ça. Apportez-moi plus souvent. Et puis dites-nous, c'était quoi votre morceau préféré? Ouais, moi c'était la jupe jaune de mes affaires, vous avouez. Parce que je suis pas jupe dans la vie, mais tu sais, une jupe jaune. On peut pas dire non à une jupe jaune. C'est ma trouvaille. Tes bottes de salope. Fait que bye! On est encore là. Abonnez-vous! Ma chaîne. Hein?